On va se gêner. Laurent Ruquier et toute sa bande. Jusqu'à 18h sur Europe 1. Christine Bravo, Jérémy Michalak, Florian Gazan, Titoff, Jérôme Bonaldi et Pierre Bénichoux sont avec vous. Et ce sont eux qui vont vous affronter, Fatima et Antoine. Salut Fatima. Salut tout le monde. Fatima Bonjour. Est à Levallois-Perret. Exactement. Et elle fait quoi dans la vie, Fatima? Elle garde des enfants. Très bien, combien? D'ailleurs, on cherche un boulot pour les vacances. Ah bon? Combien vous en gardez d'enfants? J'en garde 2, 5 ans et bientôt 9 ans, la grande. Fatima, vous allez affronter Antoine, qui lui est champion de France avec Lille et vient de gagner la Coupe de France. C'est vrai. Bonjour tout le monde. On peut le dire, c'est quasi fait quand même. Quasi champion de France. Oui, ils sont champions de France. C'est fait. C'est vrai. Il reste 2 matchs, mais c'est fait. C'est ça. Oh, bah, ça va être trop facile. Vous êtes fier d'être ch'ti, Antoine? Bah oui, en ce moment, on l'est toute l'année, mais particulièrement en ce moment, c'est sûr. Bah ouais, grâce au foot. Antoine, vous nous écoutez depuis combien d'années? Oh, ça fait 3-4 ans, comme je suis intermittent du spectacle, j'ai assez le temps la journée. Ah, faites quoi alors comme intermittence? Alors moi, je suis magicien professionnel, en fait. Wow. Magicien. Allez, un petit tour de magie. Ouais, faites-moi un truc. Vous faites disparaître des preuves? Mais vous savez, en fait, je suis un collègue qui est lui-même lillois, du magicien qui vous avait tous piégé dans un ascenseur lors d'une caméra cachée. Ah, ouais, pour France 3. Ah oui, Christine s'en souvient encore. Et puis, c'est d'actualité en plus. Hein, j'appelle Franck Truong, un très bon magicien. Donc voilà, j'appelle Jérémy Michalak si un jour il veut reproduire des émissions de magie, hein, comme aux États-Unis, et qu'il n'hésite pas. Hein. Ben, on appellera Antoine. Et vous, Fatima, vous nous écoutez tous les jours aussi? Quand j'ai le temps, mais souvent, ouais. Ben, je vous emmène l'un ou l'autre à Saint-Cyprien, dans ce magnifique hôtel qui donne sur l'île de la Lagune un séjour de rêve. Merveille. Un hôtel 4 étoiles avec junior suite et suite confortable. Wow. Le restaurant L'Allemandin vous attend sur cet hôtel île-de-la-lagune.com à Saint-Cyprien. Je ne vais pas vous redonner tout le détail tous les jours. C'est là où il fait beau après le petit pont? Exactement. Ah ouais, à la belle saison, une navette assure vos déplacements entre le port privé et la grande plage de sable fin. Jean-Paul et Catherine Hartmann vous régaleront, vous feront déguster leurs meilleurs plats. Vos papilles n'y résisteront pas. À l'allemande. Vous êtes prêts à gagner, Fatima et Antoine? Exactement. Bon, c'est parti, voici la question. Pas facile, hein, il faut avoir lu le Figaro pour savoir ce qui se passera le 20 juin prochain. Une soirée est prévue le 20 juin prochain au Trianon, 80 boulevard de Rochechouart. Que se passera-t-il au 80 boulevard de Rochechouart le 20 juin prochain? Alors, c'est la veille de la fête de la musique. Est-ce que c'est un événement musical? Du tout. Politique? Politique, non plus. Il y aura des politiques, sûrement, qui seront invités. C'est une fiesta. Au Trianon, ils en... Il y aura une grande fête. Et le fait que ce soit au 80 Alors, boulevard... C'est Christian Bérard, les débuts des Beach Boys sur scène, non? Leur jubilé? Ah non, les Beach Boys, c'est au mois de juillet, ça, c'est prévu. Les Beach Boys, c'est au mois de juillet. Alors, tu allais dire quelque chose, Laurent? Oui, le fait que ça se passe au 80 boulevard Rochechouart n'est pas hasard. Au 81? Non, 80. C'était chez Tati? 80 stars seront présents. C'est soirée années 80? C'est pour les 80 ans de quelqu'un? Oui, pour les 80 ans de quelqu'un. Aznavour? Pas Belmondo. Mais non. Belmondo, non. Aznavour a plus. Aznavour, non. C'est un Français? C'est un Français qui fête ses 80 ans. Qui chante? C'est une Française? Voilà. Il est né dans le département 80, la Somme. 80 stars vont lui offrir un spectacle surprise. Okay. C'est un écrivain? Oh, 80 boulevard Rochechouart. Et les places seront à 80 euros. Et ça peut pas être un anniversaire sûr. Qu'est-ce que vous dites, Antoine? Les 80 ans de Michou. Les 80 ans de Michou! Il est sympa, Michalak, parce qu'il le savait. D'abord parce qu'il est invité et parce que je suis sur scène. Parce qu'il est transformiste. Il est sur scène. Tu feras quoi si... Mimimati, il fait. Ça rôle de composition. Parce que Michou, faut le rappeler pour ceux qui l'ignoreraient, c'est évidemment le propriétaire du cabaret chez Michou. On voit des transformistes. Ah bon? Prendre la peau de chanteuses, stars du cinéma, des hommes se déguiser en femmes, en quelque sorte. Michou, c'est l'homme tout en bleu, toujours. Ouais, c'est parce qu'il est moisi. T'es con, toi. C'est sympa, les 80 ans. Je suis sûr que vous êtes invité, Pierre, à Bémichou. Non, je suis pas invité. Vous n'êtes pas invité, vous le connaissez, Michou. Oui, je connais Michou, oui, je connais tout le monde. Il connaît... Tout le monde sait pourquoi, parce que je suis vieux. Je connais Michou. Je connais De Gaulle, je connais tout le monde. Oh non, Pierrot, t'es pas vieux. Ah, mais non, qu'est-ce qui se passe, Pierre? Pierrot, non, qu'est-ce que t'as? T'as une petite baisse de morale, mon. Alors là, franchement, je t'aime. Quand tu me fais ça, Je ne veux pas de ton amour, après pour porter plainte. Non, mais.
Je veux bien de ton amour, mais avec du Viagra. Tu fais comme ça, tu m'enroules, tu me fais choses comme ça, après t'es comme ça, tu dis, il me viole. Non, madame. Mon petit Pierrot. Mais par contre, Christine, personne ne la croira. Pour fêter les 80 printemps de Michou, c'est Jacques Pessis, évidemment, qui nous raconte. Chouette. Quel talent. Oh là là. Quelle leçon. Oh là là. Il s'intéresse au sujet choc. Quel journaliste brillant. Vermus devrait en prendre de pour la fêter les 80 printemps de Michou, né dans le département 80, hein, la Somme, c'est quand même pas mal, il est né dans la Somme, il a 80 ans, dans le 80, il a choisi donc le 80 boulevard Rochechouart, le Trianon, pour inviter 80 stars, je sais pas qui sont parce qu'il faut déjà les trouver les 80 stars, c'est pas évident. Non, mais il peut ça dépend où tu mets, ça dépend où tu mets la barre de la star. Oui, hein, la soirée a été fixée au 20 juin, soit 48 heures après la date de l'anniversaire de celui qu'on a surnommé la belle du 18 juin. Je vous lis l'article. Ça, c'est drôle. Qui lui a donné ce surnom? Je sais pas, ça serait bien de savoir. Mais c'est drôle. Les 12 Michettes qui se relaient 7 jours sur 7. Les Michettes, ce sont les transformistes. Les transformistes. Ouais. Michou et ses Michettes, vous voyez. N'importe quoi. Les 12 Michettes qui se relaient. Je vous dis, papier de Pessis, parce que c'est intéressant. Les 12 Michettes qui se relaient 7 jours sur 7 dans le cabaret de. De Michoulac, Jérémy Michoulac. Rue des Martyrs, Rue des Martyrs, à Paris. Dans le cabaret de la Rue des Martyrs, présenteront leurs parodies et les confrères et consœurs du héros de la fête, à commencer par les filles du Moulin Rouge qui seront là, les filles du Lido aussi, les filles de la Nouvelle Ève. Ça fait vite 80 là. Un hommage spécial et personnel à Michou qui sera présent au premier rang et qui rejoindra sa troupe pour le final. Mais c'est très dur d'avoir des filles parce qu'il lui est arrivé quelque chose de terrible à Michou. Moi je le connais depuis très longtemps. Ah, voyez, vous connaissez. Très bien, bien sûr. Et parce que je me souviens les premières fois où il faisait, ça a commencé surtout avec Mireille Mathieu, où il faisait Mireille Mathieu. Et c'est des garçons qui font ça, des hommes en général, des costauds qui se transforment. C'est assez marrant parce que c'est un peu kitsch. Et un jour, il y a une fille qui vient et il la trouve tellement bien et elle fait tellement travelot parce qu'elle est, elle est grande, elle a un grand visage et tout, qu'il l'engage. Les travelots s'aperçoivent que c'est une femme. Ils font un scandale et ils disent... On ne veut pas d'elle. On dit, mais pourquoi? Non, parce que c'est sale. Ou alors, une femme, et de toute façon, ça, c'est sale, si femme. Jamais... Oui, mais oui, c'est les travestis qui disent ça. Et alors il dit, mais quoi? Il dit, alors, il faut faire deux toilettes différentes. Alors, il dit, mais c'est tout petit. Il fallait qu'il fasse faire un chiotte en plus. Parce qu'elle ne voulait pas aller dans le même... Les travelottes ne voulaient pas aller dans le même chiotte. Et alors, il était là, il ne savait plus quoi faire. Donc, à la fin, elle a démissionné, la fille. Elle était devenue mi-chèvre, mi-chèvre. Michou et quand je vois le chemin parcouru depuis mes débuts, dit-il, voici 55 ans, je me demande comment j'ai pu en arriver là. Il fallait être inconscient pour se lancer dans une telle aventure. Je l'ai été, je ne le regrette pas. Il s'interroge toutefois, Michou. Il dit, je suis le dernier dinosaure d'un genre, je ne vois personne pour assurer la relève. Ah, nous, on voit. Hein. Et alors là, je vous donne la dernière phrase. La dernière phrase de Jacques Pessis qui conclut cet article, parce que là, on voit le grand journaliste. La dernière phrase, c'est ce qui ne l'empêche pas de continuer à voir la vie en rose, ou plutôt, costume oblige, en bleu. Et tac. Alors, je pense qu'en 80 ans, ça, il avait c'est jamais du papier, fait, ça. Ah, là, tu poses le stylo ah, comme là, ça. Ah, moi, je dis, monsieur, moi. Non, Michou est génial. Il a inventé les lunettes 3D il y a 50 ans. C'était Avatar bien avant l'heure, Michou. Mais oui, il voyait tout en bleu. Avatar, ça s'appelle. Il voyait tout en bleu, Michou. Bon anniversaire, Michou. Ouais. On ira. Ah, on est tous invités, on y va. Ah, moi, j'y vais. Moi. Ah, on y va. On est invités. Joujou, vous y allez, Joujou. Bien sûr, j'y suis déjà. Antoine, c'est vous, en tout cas, qui partez pour Saint-Cyprien. Avec Michou, d'ailleurs. On a loué une grande chambre pour deux. C'est un week-end complet. Prendra un bain moussant. Bravo Antoine, à très vite.